mise en situation de compression, de pelliculage, de mise en forme, des mises en situation de conditionnement avec effectivement une blistéreuse, une étuyeuse, etc., etc., une étiqueteuse, voilà. L'industrie pharmaceutique et cosmétique, c'est avant tout des outils de haute technicité à manipuler. L'IMT dispose d'un outil de formation unique en Europe, l'unité technique et de développement, un centre de 6000 m² qui reproduit un véritable site de production industrielle. Objectif, compléter l'expérience acquise lors de l'alternance par une mise en situation professionnelle. Nos formations visent la compétence. Alors la compétence, c'est quoi? C'est la capacité à être rapidement opérationnel sur des process industriels de fabrication ou de conditionnement. Ce qui nous permet effectivement de faciliter leur intégration et de faciliter leur employabilité. Concrètement, les élèves manipulent les équipements industriels qu'ils pourront être amenés à utiliser au cours de leur carrière professionnelle. Sur chaque équipement, chaque personne que nous sommes amenés à former va faire l'ensemble des opérations, de la préparation d'équipements, le montage, la mise en route, les contrôles associés, le démontage, le nettoyage. Et ensuite, on voit avec eux l'ensemble des étapes qui constituent un process de fabrication. Tous les formateurs sont des professionnels de l'industrie pharmaceutique et cosmétique qui transmettent aux élèves leur savoir-faire technique. Grâce à la mise en situation professionnelle tout au long de leur formation, les jeunes diplômés de l'IMT sont directement opérationnels.